Depuis maintenant 3 ans, l'émission des 300 cœurs rencontre un franc succès auprès des Français. Aussi, pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année, France 3 a décidé d'enregistrer un tout nouveau numéro intitulé « Les 300 cœurs chantent pour les fêtes ». Désigné maître de cérémonie, Vincent Niclot prendra une nouvelle fois les commandes du programme, plus d'un mois après la diffusion des 300 cœurs fêtent leurs 10 ans. Pour l'occasion, le chanteur est accompagné de nombreux autres artistes venus interpréter leur tube accompagné des plus belles chorales françaises. Au programme, musique, émotions et festivités en tout genre. Certains artistes reprendront également les plus grands titres de la chanson française dans des versions inédites et particulièrement originales. Tout au long de ce show d'exception, divers chœurs viendront apporter leur touche aux nombreuses interprétations. Gospel pour 100 voix, le chœur du NS World, le chœur C4, le chœur symphonique de Paris, chœur et mouvement, l'Académie internationale de comédie musicale, Sankofa Uni, les chœurs de France, Spectacular, l'Académie internationale de la danse, quelques membres de la troupe du Roi Soleil et le Bagad Kemper. Une flopée de danseurs, chanteurs et musiciens feront le bonheur et la convivialité de cette soirée. Toute génération confondue, le point fort de cette soirée réside dans la présence de nombreuses générations d'artistes. Ainsi, Christophe Willem, Zaz, Natacha Saint-Pierre, dans un ensemble doré pour l'occasion, Jennifer, Claudio Capeo, Mano, Louane, Angoune, dans une magnifique robe noire décolletée dans les coulisses, Slimane et Icar raviront les plus jeunes tandis que Roberto Alagna, Daniel Guichard, Lio, Gilbert Montagnier, Louis Bertignac, Patrick Hernandez, Chantal Goya vont raviver les tendres souvenirs des plus vieux. A noter que le pianiste Lang Lang est également présent pour accompagner les artistes et que Vincent Niclot se joint à ses invités à l'occasion de quelques duos. Une soirée magique qui s'annonce riche en émotions et qui s'illustrera par sa convivialité, sa bienveillance et son ambiance des plus festives. De quoi préparer le réveillon de Noël comme il se doit.